Kukum von Michel Jean. Die 15-jährige weise Almanda verliebt sich in Thomas. Sie folgt ihm ins Nomadenleben und erlernt die Sprache und Kultur der Innu, deren Existenz jedoch zunehmend in Gefahr ist. Michel Jean ist Journalist, Fernsehmoderator und Autor aus Mastoyage in Quebec. In seinem preisgekrönten Roman Kukum erzählt er von seiner Urgroßmutter. Hallo Michael, je suis content de te voir et te parler aujourd'hui. Oui, moi aussi, je suis très content de te revoir, Michel. Et on se connaît déjà depuis 2019, oui, on a fait connaissance et puis j'ai traduit déjà deux livres de toi. Quand j'ai parlé du livre Aloise Visa du Visa Verlag à Klagenfurt, que je connais depuis plus de 30 ans, il a spontanément manifesté son intérêt. Déterminant pour sa décision était que la littérature indigène s'intègre assez bien dans un programme éditorial qui met l'accent sur les minorités et les petites langues. Dans ses deux romans, Michel Jean se sert de son arrière-grand-mère et de sa grand-mère pour décrire la vie traditionnelle des Innus et la destruction de cette vie par les Blancs au XXe siècle. Oui, en fait, en réalité, moi j'ai cherché tout au long de ces livres-là pas tellement à raconter l'histoire de ma famille, mais à me servir, si je peux me permettre, de ce que ma famille a vécu pour décrire l'histoire plus grande des Autochtones ici au Québec et au Canada. Mais je voulais raconter vraiment la sédentarisation forcée des Autochtones et les conséquences des pensionnats autochtones dont on voit les conséquences, ces centaines, milliers de corps d'enfants, de dépouilles d'enfants qu'on découvre anonymes près de sites d'anciens pensionnats. Il y a eu toutes sortes de problèmes sociaux liés à ces pensionnats-là qui expliquent les difficultés que vivent beaucoup de communautés. Puis, je ne sais pas comment c'est en Europe, mais même au Québec, les gens pensent que les Autochtones ont toujours vécu sur ce qu'on appelle des réserves aujourd'hui. Alors que moi, ma grand-mère est née dans le bois, en territoire, et moi, je suis né à l'hôpital d'Alma. C'est récent, tout ça. Ça s'est fait dans quelques décennies. Alors, je voulais raconter ça à travers l'histoire d'Almanda. Pour les Autochtones, les Québécois, les Canadiens, les Européens, mais pour les Autochtones, parce que, veux pas, Michael, notre histoire n'est pas dans les livres, parce que les jeunes Autochtones, ils vont dans les mêmes écoles que les Blancs, on apprend la même histoire. Ça commence avec 1492, avec Christophe Colomb, avec Jacques Cartier en 1534. Avant ça, il ne se passe rien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le point de vue des Autochtones n'est jamais raconté nulle part, existe nulle part. Oui, c'est ça. N'est pas là. Notre histoire est nulle part, Michael. Je veux dire, dans les livres d'histoire, il n'y a rien sur les Autochtones, ou à peu près. Je veux dire, en Allemagne, en France, en Europe, on s'intéresse à de la préhistoire à aujourd'hui, à qui les gens qui ont habité sur le continent, dans le pays où on est. Mais ici, en Amérique du Nord, avant, ça compte pas. Ça compte quand les Européens arrivent. Et pour moi, c'est un de mes combats, ça, d'essayer de raconter cette histoire-là aussi. Et c'est là que j'ai commencé à me demander, OK, d'accord, c'est quoi la portion qui survit en moi d'Autochtones. Et c'est ça que j'ai voulu raconter aussi dans le livre, à travers mon histoire et celle de ma grand-mère Jeannette, ma coucoum Jeannette. C'est ça qui est fascinant dans ton livre. J'ai beaucoup aimé le style, j'ai beaucoup aimé la façon dont il écrit. Surtout, c'est Almanda qui raconte. Alors, une femme, oui. C'est elle qui parle. C'est une femme qui parle. Volontairement, j'ai écrit d'une façon... J'aime pas ça le dire mot simple, parce que quand je dis ça, les gens, après ça, ils ont l'air de penser que c'est écrit simplement, alors que ça me demande beaucoup d'efforts. Mais il y a un ton dans le récit qui va avec le fait qu'on est dans le bois et des Autochtones. Tu sais, je ne peux pas faire parler Thomas qui parlait presque pas comme je ferais parler Rimbaud, là, tu comprends? Mais il y a aussi que moi, en général, j'aime ça que le texte s'efface devant les émotions et les personnages et non pas que l'écriture prenne toute la place. Puis dans ce temps-là, je trouve toujours que ça me distrait du propos. Puis... Comment tu expliques... le gros succès de Kukum, qui a gagné le prix France-Québec et qui a vendu quand même 72 exemplaires, ce qui est énorme. On est rendu à près de 90 000, Michael. Hein? On est rendu à près de 90 000. Oui, c'est énorme pour un petit marché comme le Québec. Alors, comment tu expliques ça? Ben, je pense que Kukum était paru en 2019. On en avait peu parlé dans les médias. Mais le bouche-à-oreille, les gens lisaient le livre, en parlaient, avait fait que c'était déjà un best-seller, plus modeste. On avait, je pense, 5 500. Moi, j'étais très content de ça. Mais c'était vraiment... Les gens lisaient le livre, en parlaient, puis il s'est créé un petit mouvement. Et après le prix France-Québec,
Il est arrivé juste avant un événement qui s'appelle la mort de Joyce Echaquan, qui est une mère Atikamekw de 5 enfants qui est morte à l'hôpital sous les insultes du personnel, et elle a filmé les événements. Et ça, au Québec, c'était un événement majeur parce que pour la première fois, les Blancs entendaient ce que les Autochtones entendent souvent, les insultes, le racisme. Et c'était filmé sur Facebook Live, donc on n'a pas pu effacer. Ouais, et ça a été une prise de conscience. Et là, le prix France-Québec est arrivé à ce moment-là. On a beaucoup parlé de Cocum. Et là, les gens ont commencé à lire. Et honnêtement, je n'explique pas tellement l'ampleur du coup de cœur parce que ça fait, c'était en novembre, ça continue encore aujourd'hui. Il est encore en première position des palmarès et chez les librairies indépendantes et chez les Renaud-Bray et Archambault, qui sont les grandes chaînes ici. Mais je pense que c'est une histoire universelle. Oui, ça c'est sûr, oui, ça, je crois aussi. Oui. Ça parle des Autochtones, oui, ça décrit l'histoire des Autochtones. Je pense que pour les gens qui veulent comprendre, ça les aide. Mais en même temps, c'est aussi une histoire de résilience. C'est une histoire d'amour aussi que je n'ai pas inventée, qui est réelle. Tous ces éléments-là font que je pense que les gens s'attachent au personnage. Et moi, j'ai juste Chinesh Kumitin, je suis content. Ouais, mais en attendant, je suis vraiment fasciné de voir que l'intérêt pour Kokum, pour Atuk, pour Amun aussi, qui déjà a un bel accueil. Vous savez, pour nous ici, les Autochtones en Amérique du Nord, c'est important parce qu'on a besoin d'alliés. Pendant longtemps, tout ça s'est fait en cercle fermé, on était tout seul, personne ne nous écoutait. Les Autochtones souvent vivent dans des régions éloignées. Mais là, maintenant, le monde regarde ce qui se passe, regarde les milliers de corps, ces choses-là, et il commence à poser des questions et voir le Canada autrement. Et on a besoin, justement, de ne pas être seul. Alors, c'est, comme on dit souvent ici, on a besoin d'alliés. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire connaître un peu la littérature indigène chez nous, parce que c'est encore plus important que seulement la littérature québécoise. Mais parce que c'est un autre genre de littérature. C'est encore quelque chose de beaucoup moins connu. Qui, ouais. Ben, je te remercie d'ailleurs, Michael. Je crois que ça pourrait intéresser, toucher les gens beaucoup plus. Alors, je te remercie beaucoup pour la conversation. Chinesh Kumitin, Michael, MacNiot, tout le monde. Merci.